Hello la team Popo, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, la case numéro 2 du calendrier de l'Avent, et on va vous parler des cadeaux de Liliana. Alors on va vous montrer les cadeaux qu'on a achetés pour Liliana pour Noël. Père Noël, parce qu'elle est juste à côté, alors imagine avec toi. Oui, en fait c'est parce que le Père Noël, il avait beaucoup de travail, et comme il a beaucoup de travail, il nous a dit, Christopher et Florian, est-ce que vous pouvez m'aider pour les cadeaux de Liliana? Je passerai le soir de Noël pour lui donner, mais là mes lutins, ils n'ont pas trop le temps. Du coup, c'est le Père Noël qui nous a appelé en personne pour demander de faire à sa place. Bien dit, j'aurais pas dit mieux. On sait jamais, c'est des enfants quand même. Ben oui, ils sont tous. Non mais... Alors, comme c'est le premier Noël de Liliana et qu'elle aura... 7 mois et demi. 7 mois et demi, c'est pas non plus un âge où tu te souviens de tout, toute ta vie. On s'est dit, c'est bon, on va pas commencer à demander au Père Noël des gros cadeaux qu'elle se souviendra plus et qu'au bout de... Tu vois ce que je veux dire? Donc on a préféré prendre plusieurs petits cadeaux qui vont lui servir pendant l'année. Parce qu'on sait que les papiers mamie vont se charger des moyens gros cadeaux, quoi. C'est vrai, quoi. Oui, c'est vrai. On va vous montrer ce qu'on a appris. Vas-y Florian, vas-y mon bébé. Bah celui-là je crois que c'est un de mes préférés. Ouais. Ouais. C'est un jeu éducatif. En vrai tu le vois chez tout le monde, dans même les films et tout, donc c'est un... Arrête de le faire sans nombre, ça fait des frissons. C'est un indispensable je pense. Oui c'est un indispensable. Des anneaux, voilà, c'est comme une poupée russe là, il faut... Enfin non c'est pas une poupée russe mais c'est du plus grand au plus petit et il faut que le bébé il les mette dedans, c'est plutôt cool là. C'est vraiment ton préféré? Bah, un de mes préférés. Franchement, oui. Donc voilà, Père Noël, il l'a pris sur Amazon. Si j'y arrive, si je retrouve tous les liens, je vous mettrai tout dans la barre d'infos et je vous mettrai peut-être les prix quelque part sur l'écran. Mais au cas où, ce sera dans la barre d'infos. Allez, deuxième cadeau, c'est moi qui présente. Comme c'est un petit bébé hippopotame, on s'est dit qu'on allait lui prendre un petit puzzle en bois de la savane. Et du coup, voilà, c'est un jeu en bois. Et c'est plutôt cool, on voit toujours les enfants qui tapent, qui essayent de remettre les formes et tout. C'est pas pour les 6 mois et plus, mais nous on sait qu'elle va kiffer prendre et taper dessus et tout. Dans un premier temps, ouais, regarder et après taper. Et ouais, c'est ça, aussi, c'est ça. C'est surtout pour lui montrer les couleurs et tout ça au début. Alors ensuite, on a pris ça. Donc c'est encore Fisher Price. Qu'est-ce qu'il y a? On a la mouette qui mange ses pieds. Ah, montrir de forme, ça s'appelle. Ça c'est trop cool. Alors c'est pareil, c'est des 6 mois. Vous voyez? Donc pareil, je pense qu'elle va pas capter tout de suite pour mettre dans les trous la bonne forme. Mais je pense que le fait de taper les couleurs et tout, et tout comme ça, ça va... Et aussi le fait que ce soit dans un seau, ça va s'amuser à sortir les trucs, ouais, et tout, ouais, le bordel quoi. Voilà. Un basique encore. C'est pareil, c'est un cadeau qui est pour un peu plus âgé. C'est à peu près le même qu'on vient de présenter. Et moi j'ai trop bien aimé, voilà. Et c'est en bois. Voilà. Donc c'est une petite boîte en bois pour mettre des petits objets. Il y a des boules pour taper avec un petit marteau. Il y a des petites formes pour faire rentrer des petites formes là dans les côtés. C'est plutôt cool. Et de l'autre côté, il y a... Je sais pas si j'ai acheté pour elle ou pour moi. C'est un xylophone. Voilà. Écoutez. J'en étais sûre. À force de faire ça dans les vidéos, je vais leur demander des... Alors... Do, ré, mi, fa, sol, la, si, do. T'as ta mère, j'ai trompé. Je me suis trompé, tu m'as déconcentré. T'as l'air connu, toi? Oui. Non, je crois que c'est moi, je vais jouer le plus en fait. Et on va finir par le dernier cadeau. Donc, alors après, on aura peut-être d'autres petits cadeaux qui vont venir se mettre entre deux. Hein, mais... Donc ça se présente comme ceci. Et en fait, dedans, c'est des petits livres. C'est trop stylé. En fait, il y en a 6. Et en fait, c'est des petits livres. Et bah, vous savez, c'est avec les matières un peu plus machin. Et il y a des pouettes-pouettes. Avec plein de couleurs, des pouettes-pouettes. Et surtout, tu peux lui dire un camion de pompiers. Une fusée. Voilà. Waouh, un avion dans le ciel. Tu veux dire plein de trucs comme ça. Tu peux raconter plein d'histoires. C'est le petit train avec sa petite remorque. La voiture de papa, l'hélicoptère de maman. C'est trop bien. Moi j'aime bien, je sais qu'elle va aller longtemps avec. Alors il n'y a pas que Flo qui aime bien. Ah bah. Il y a aussi le chien apparemment. C'est pas pour toi. On t'en achètera des cadeaux de Noël aussi, t'inquiète pas. Donc on a hâte. Donc ça c'est les cadeaux principaux et on en achètera peut-être d'autres, des trois petites bricoles à côté, voilà. Et ensuite, je voulais qu'on fasse un petit challenge. Ouais. Parce que moi je suis nulle pour les emballages cadeaux.
Donc je me suis dit, on choisit chacun son cadeau. Et on l'emballe et on voit qui est celui qui l'emballe le plus vite, c'est le mieux. Ah ouais, mais le plus vite oh. Et le mieux du coup. Et du coup, ça sera les gens qui nous regardent qui voteront le meilleur cadeau. Donc le plus original ou peu importe, mais quoi qu'il arrive, il faut que... Alors moi déjà, je prends la boîte en bois là. Je prends pas le truc tout triangle là-bas, ça va être un bordel. Bah je crois que je vais prendre le bordel. Non, je croyais que t'allais prendre des livres là. Bah vas-y, je prends ça. Alors prends le bordel toi. Parce que c'est moi qui vais gagner, ou alors parce que j'ai fait un farandé, ils vont tous voter pour toi. Donc moi j'emballe ce truc. Et moi je vais emballer ça. Voilà, c'est parti. Bon, du coup, on a chacun notre rouleau de scotch, chacun un rouleau de papier, tu veux lequel, tu veux. Et forcément, chacun sa paire de ciseaux, parce que sinon, après, bah, on se bagarre. Ouais. Attends, tu triches déjà, là. J'ai la pression. Tu vas perdre. Ouais. Bah, je sais que je vais perdre. Le plus rapide ou on met un chrono? Tu peux faire le plus rapide si tu veux, mais après, il faut que ce soit beau. Si c'est pour être rapide et que ce soit dégueulasse, c'est pas la peine. Ok. Bon, 3, 2, 1... C'est moi au supermarché, je fais pencher sur le cadeau et tout. Alors, du coup, voilà, il y a le plus beau là. On va faire ça bien, on va présenter les cadeaux. Alors, voilà l'emballage de Christopher. Vous voyez, c'est courbé lancé. J'empaillage. Ah, parce que tu donnes des arguments. Ok. Voilà. On peut faire tout le tour, vous avez vu. Mais... Et puis bon, il n'y a que les côtés un petit peu, voilà, pas forcément très... voilà. Mais c'est tout ce que j'aurais à dire. Allez, passe-toi maintenant. Tapez 1. Florian, en fait, on dirait elle a chiffonné le papier. On voit bien là. Oui, on le voit. Donc, t'as mis les mugs à l'envers. Ah non, c'est des chaussettes déjà. C'est des chaussettes. Ben non, regarde. Ah là, elles sont en droite, ça. Donc en fait, c'est juste pour donner un peu cet aspect petit sac. T'aurais dû faire une anse, si vous voulez faire ouais, ça. Ouais, mais j'ai pas pensé. Petit sac. Ah, mais t'aurais peut-être gagné avec une anse en plus. Oh mince. Et pourquoi là c'est tout mou, il n'y a rien, c'est juste pour donner un aspect. Non, c'était pour donner un aspect gros cadeau, comme ça, bah, se ramener sur le Voilà, je pense. Bon, si vous y croyez, tapez 2. Ouais, ils vont tous taper 2. Souvent dans les concours, ils sont pour le l'insider. Ouais, bah ouais. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. On espère que ça vous a plu. N'hésitez pas, du coup, à voter surtout pour qu'on puisse se départager. Et dites-nous ce que vous avez acheté, vous, pour vos enfants. Oui, c'est important. Vous avez aimé les cadeaux pour Ellie. Voilà. Voilà. Et bah, laissez sinon des commentaires pour dire comment vous allez. Et bah, bonne journée. Salut, on se retrouve demain pour la case numéro 3. Ciao.